On procède aujourd'hui au bétonnage d'une partie du socle, c'est la zone A0, où on va monter à partir de la semaine prochaine la grue à tour numéro 3, qui va survoler une partie du socle. La durée de ce coulage, c'est 2 heures à 2h30, et c'est l'équivalent de la capacité de notre centrale à béton, qui produit entre 60 à 65 mètres cubes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au coulage du radier du socle de la zone B1. C'est un coulage qui consiste en 300 mètres cubes de béton. À ce jour, le projet constitue en un coulage de quasiment 4500 m² de radier du socle, soit un avancement de 25% de la superficie du socle. En même temps, les travaux de fondation ont été finalisés en juillet 2019. Après, il y a eu les travaux de préparation à la fois des massifs et de recépage des pieux. En parallèle, on est en train de faire les travaux de recépage des barrettes de la tour, notamment les barrettes du radier bas, qui sera coulé vers fin janvier, avec un volume total de 4000 m3 de béton et une quantité d'acier de 2000 tonnes. Les travaux d'étanchéité sont en cours, les travaux de ferraillage aussi, et le projet est en train de suivre son champ selon le planning qui a été validé avec l'entreprise. Et on espère continuer sur cette lancée-là pour avoir un démarrage en avril de la tour.